compatriotes haïtiens qui ont coûté nous là, dans tout le pays et dans le 10e département, avec un pile d'émotion qui nous oblige à prendre la parole aujourd'hui suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse. En tout premier lieu, nous présenter toutes condoléances. Nos condoléances les plus sincères à madame, à petite. Madame qui couchait à l'hôpital Miami, nous souhaitons un prompt rétablissement. Nous partageons peine ça avec chaque grain haïtien. Jovenel Moïse tombé comme président, mais dans la circonstance, dans la façon qu'il est tombé, nous croyons que c'est chaque grain haïtien qui a touché. Moi, je souhaite que tout haïtien, de quelque qu'il y appartenait, quel que soit côté lié sur le territoire, là, surtout les paysans, on a commencé à préparer nous pour nous rendre un gros hommage à Jovenel Moïse dans le funérail bientôt. Depuis le funérail, il faut dire que la mort ça, est capable de permettre. La mort ça est capable de permettre nous ressaisir nous. La mort ça est capable de permettre nous réconcilier avec tête nous. Toute communauté internationale a partagé sympathie et tristesse depuis Vatican, en passant par le Canada, Washington, l'Europe, avec la famille Jovenel Moïse. Je profite pour me demander pour mettre tête ensemble pour que une grosse enquête internationale capable de faire lumière tout bon sur la mort. Mandé communauté internationale là pour que yo ouvri une enquête internationale sur la mort de Jovenel Moïse. Ça nous est, c'est pas ça. Ça nous tendait, c'est pas ça. Le président Jovenel Moïse a été livré le 7 juillet 2021. C'est mon bal sécurité. Comment pour mon cap bal sécurité yo calivré président, faut que yo recevoir l'ordre, faut que yo recevoir instruction de peut-être supérieur hiérarchique immédiat. Mais instruction politique qui baille tout pour livrer le président. Parrain président, livrez-le. Parrain président, livrez-le le 7 juillet. Comment on est capable d'expliquer une telle tragédie? Quand on arrive, ce Jovenel Moïse lui-même n'est pas vivant encore, c'est mort. La première fois, il a parlé de mort, de cadavre là. C'est la mort qui portait une haine sociale, une intolérance. C'est ça la mort portée. Ce n'est pas peuple haïtien qui n'est pas d'accord avec Jovenel Moïse qui le prend dans le palais. C'est les fils de Rochambeau, les flibustiers qui payaient. Des mercenaires, avec les collabos, les politicards, pour assassiner Jovenel Moïse Lacaille. Humilier, peuple haïtien, pour humilier Bossal. Parce que Jovenel Moïse, c'est un petit Bossal, peut-être intrigant des ordres, que vous n'avez jamais accepté. Mais, Jovenel Moïse payait contradiction.
contradiction politique pays. Jovenel Moïse paye tout. Mission li, malgré pas de l'État encore, mais il était passé à côté. C'est le prix de l'insécurité, de la criminalité, de l'impunité. Parce que je me toujours dit, président, pas de l'État, il faut que nous recommençons à reconstruire l'État. Dans le moment où Jovenel Moïse mourir, c'est énième haïtien qui mourit. Donc, il y a des haïtiens. Le pays a été déjà en deuil. Parce que nous-mêmes qui sommes dans l'État, nous pas fait travail. Nous sommes passés à côté de la mission. Conséquence arrivée dans la chambre de Jovenel Moïse. A fait justice dans le pays, a fait sécurité dans le pays. L'homme on a parlé de ça. Parfois, on passe au tête et on dit fou. Institution n'y a pas de fonctionner encore. La police t'est écrasée tout bon. Et t'es de rien tendance, ni côté politique, ni côté flibustier, pour remplacer la police par des chefs de gang. Chef de gang qui fait la loi dans le pays, et chef de gang qui arrive dans la chambre du président Jovenel. C'est le prix de l'impunité. Il y a un ancien sénateur qui t'a annoncé qu'il a mangé, qu'il a tué Jovenel. Mais si Jacques Roche te gagne, justice, donne Kato, pas t'a capable d'annoncer la mort de Jovenel Moïse. Si Jacques Roche te gagne justice, si Dominique te gagne justice, si Timoun Nassaligno te gagne justice, Reginald Boulos pas capable d'annoncer assassinat de Jovenel Moïse. Si tu as une commission de vérité, j'aime toujours prendre le président depuis 5 ans, Dimitri Vob pas capable d'annoncer la mort de Jovenel Moïse. Et si le président a eu le courage tout bon pour au moins amorcer le procès de Petro-Caribé, par rien ni par des calivril. Je dis à ce moment-là, nous y sommes. Nous avons payé, peut-être ça nous fait. Mais le crime, ça, c'est la leçon pour nous tirer de lui-même. Ce n'est pas bataille pour nous continuer bataille avec tête. Nous. C'est un crime qui est conséquence. C'est énième crime, parce qu'il faut nous parler de tout ça que fait. Mais ça, c'est un président de la République qui a des flibustiers payés pour prendre un président, assassiner, humilier, dégrader la chambre. Mais c'est d'ailleurs qu'il y a une double garantie. Première garantie, monsieur Néo te gagné, je te ba garantie que moun soi-disant kap ba président de sécurité, pap même gade yo. Et y a recevoir un dernier message. Et sur toute vidéo, nous voyons comment effectivement yo ba un message là. Je te gagné l'autre garantie, je dis peuple haïtien pa vle wè Jovenel Moïse, le nous tuer. Nous mettons le peuple pour la vie, c'est la fête. C'est la fête, bandit, je vais dire la police. Je vais la fête populaire. C'est deux garanties, ça, mais c'est n'est pas. Au Dieu, Jovenel, pas que le monde parle pas. Tout le monde baise des bas, c'est des problèmes. Après, nous finissons assassiner, rythme la fête là. Rythme le carnaval, pas le carnaval pour tout le monde. Alors, bon Dieu était là. Bon Dieu était là. Ça qui fait là, peuple haïtien, génération ça, vous pas habitué avec ça. Vous pas habitué avec ça. Peuple haïtien habitué avec contestation, avec révolte, marcher devant palais, mobiliser pour voir le président aller. Génération ça, c'est ça le connaît.
Mais entrer la caïm président, dégrader, humilier, assassiner, parce que c'est un petit beau sale, nous pas au proche rien, nous pas habitués à ça. Nous pas en Syrie, nous pas habitués à ça. Nous pas en Liban, nous pas habitués à ça. Pas passer par quatre chemins pour être auteur intellectuel. Les gens qui commanditent, les gens qui payent, les gens qui exécutent. Les gens qui permettent que l'infiltration, la pénétration en fait jusqu'à ce que vous arrivez dans la chambre président, nous tous connaissons. Le président responsable tout, cadavre responsable. Le président te connaît les gens qui livrent là dans le trafic d'armes. Les âmes ça tué un pile haïtien jusqu'à ce qu'il tue le président. Nous te qu'on dit président, les gens qui font trafic d'armes, trafic munitions, c'est la caille de ça, oui. Président, tu es têtu, nous tous te comme ça. Ces âmes qui sortent dans l'entourage président, qui tue le président. Ce n'est pas l'autre monde. Le président a été livré. Le président a été livré. Devant cette situation, c'est encore une fois, je demande au peuple haïtien. Donc, dit tout ça, nous voulons des jeunes. Nous sommes capables d'exagérer lorsqu'on a parlé des jeunes. Les jeunes ont eu le courage pour te toucher. Maintenant, tout le monde qui t'a assassiné des Salines. Le groupe social qui t'a assassiné des Salines. Le groupe social, ça. Qui a pratiqué une politique d'apartheid en Haïti. Jovenel t'est touché au du droit, il t'est dit. Dimanche, la pour dans lundi de dimanche, il répétait 7 noyo ban moi. Nous tout connait le répéter à tout le monde. Sauf que il pas connait si parrain ni t'est dans quoi. Ou bien il t'est lâche tout, il pas connait si, il pas dit courage assez comme être humain pour dire parrain ni là tout. C'est même yo même. Pour l'argent, pour pouvoir. Depuis quelques années, il y a un groupe de peuple à ZAM pour tuer l'autre et pour tuer le peuple haïtien. Pour détruire l'économie haïtienne dans les classes moyennes. Depuis quelques années, c'est ça qu'on fait. Depuis quelques années, il y a un politicien. Les politiciens. Politiciens, politiciens. Les collabos. Nos politiciens. Ce n'est pas seulement de l'opposition, du pouvoir et de l'opposition. Je dis à fond, nous sommes clairs, peuple haïtien, ça passe. Jovenel, dans la contradiction, il fait nous sommes clairs. C'est ça pour nous retenir, dans ça passe. Dans la contradiction, qu'elle t'a bien, il fait nous sommes clairs. Mais ennemis nous. Je dis à nous qu'on est ennemis nous. Est-ce que Jovenel a fait justice? Souhaitons-le. Mais nous connaissons, c'est pas ça, ça pas dans la tradition. Nous. Ça pas dans la tradition. Nous. Et si nous sommes habitués à la justice, et si Jovenel te fait assez pour la justice, peut-être que nous n'avons pas arrivé dans la chambre. C'est pas nous seulement Jovenel pas de la sécurité, pas de la tête de la sécurité. Tout. Il n'est pas responsable de la sécurité. Il est toujours compris par un ni qui est responsable de la sécurité. Les pays ça cher. Encore une fois, nous profiter de l'occasion ça pour me dire nous ça qu'a fait là en Haïti jusqu'à présent, c'est pas politique lié. Nous tuer politique là déjà. Nous tuer politique là déjà, la mort journal c'est conséquence là. Tout le monde qui mouri avant journal yo, c'est conséquence là. Et il y a l'autre bagaille qui va le passer encore. Moment de peuple là, pour être tête frette, pour aider dans la prière, famille Jovenel Moïse, pour le prendre courage à demain tout, pour le mettre Jovenel Moïse dans la dernière demeure, et pour nous tirer les leçons de contradiction Jovenel Moïse, pour nous capables de reconstruire le pays. Je dis nous merci.
m'a pas retourner sur question parrain non, mais ça qui est arrivé encore dans pays là, c'est que je dis à nous gain pays pas gain institution. Nous gain pays pas gain aucun monde cap diriger. Pas gain président de la République, pas gain président cour de cassation, pas gain président de l'Assemblée nationale. Tout reste monde en bas dans deuxième niveau yo, yo tout haï. Et vous venez avec un bail nouveau là, un premier ministre qui a rentré, porte pas ouvrir, un premier ministre qui a sorti, porte pas ouvrir. Jovenel Moïse. C'est dans ce sens là. Donc toutes conditions réunies pour voisin, grand voisin dit bon, là mettez un peu la paix. Pendant cet homme d'a souhaité 10 sénateurs qui là avec les juges de la Cour de cassation, ils ont réuni rapide au presto, non seulement pour funérailles président mérité funérailles, gros funérailles, mais maintenant pour faire des propositions dans le cadre des dernières recommandations de l'OEA, pour limiter les dégâts. Non, le voisin, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis, il est déjà là. Même dit cette fois-ci, au moins, pas faire maounage. Pas faire maounage. Pas faire maounage dans le micro conduit nous. En chita. Non, nous tous ne parlons pas, nous tous sommes dans le baptême. Non. Le président a été livré. Nous tous là, nous connaissons dans l'école. Oui, mais livré par qui? Hein? Non, mais nous tous connaissons, le président est livré. Et les gens qui t'a gardé, qui t'a bas président de sécurité, ils ont des sous tête. Les gens qui sous tête, lui-même, il recevra l'ordre, il recevra l'instruction. Il n'est pas capable de livrer le président de son propre chef. Non, mais là, je pense que le mot président Jovenel a supposé servir de balise. Parce que nous nous suspendons faire un bien qui pour nous dans le cachet. Nous sommes dans la réalité 7, le président Jovenel est bon ou pas de finir. Non. Il est plus important. Mais les deux plus importants qui étaient dans la lutte ouverte avec le président, c'est Dimitri Vob, c'est Réginal Boulos. Et Réginal Boulos, pas de jambes cachées que mon cher Jovenel l'a examiné. Dimitri Vob, pas de jambes cachées ça. Et son porte-parole qui dit, par peut-être ignorance qu'elle s'effraie, et Dimitri Vob, le sénateur, malheureusement, sénateur Don Kato, hein? Il a parlé là, je vous dis, elle t'a annoncé ça. Mais encore, c'est tout ça, c'est l'impunité. Tout ça, c'est l'impunité. Hein? Tout ça, c'est l'impunité. Don Kato, pata. Je dis, président, ça. Je dis, président, il faut faire une commission de vérité pour que la paix dans le pays. Tout le monde qui liquide l'entreprise de l'État, tout le monde qui est dans la contrebande, tout le monde qui est dans le trafic d'armes, munitions, président, te contre tout. Naturellement, c'est être humain. Il était gain courage seulement pour le dénoncer quelques-uns, mais il n'est pas capable de faire le bon coup. Le bon coup, jusqu'à aujourd'hui, c'est la commission de vérité. La commission de vérité, elle va permettre que nous comptons qui est ce qui conduit nous là. Nous fixer les responsabilités, et puis après, nous faire la réconciliation nationale. Il faut arriver à réconcilier tête nous. Mais le système d'apartheid, là, il traite nous comme petits esclaves. Malheureusement, la misère fait que un paquet de jeunes intellectuels, ou bien des jeunes garçons, des jeunes filles, hein, qui contribuent à enterrer le dossier de Petro-Caribé. Le dossier, ça a contribué pour tuer Jovenel tout, parce qu'il n'y a pas de bail justice de Petro-Caribé. C'est ça, c'est une contradiction. Mais il faut tirer le tour de la mort, président, et ce n'est pas le moment, cadavre là toujours, pour nous commencer avec des polémiques. C'est sûr. Lutte là pour continuer. Parce que tout c'est le vertu de Dieu. Mes racines profondes. Dessalines de Dieu. Et nous-mêmes qui sommes en Afrique là, si nous ne sommes pas bien, nous, je dis à nous, le système d'apartheid là pour finir bientôt. Et maintenant, on y a le dia. C'est le moment pour nous commencer à ressaisir nous, pour nous préparer maintenant les funérailles du président. Et ensuite, nous tous élever la voix nous pour nous dire blanc, communauté internationale là, pas de justice en Haïti, vous êtes comme ça longtemps, aidez-nous à faire lumière sur ce qui passé. C'est ça, une enquête internationale. Je vous en remercie. Monsieur le président, est-ce que c'est facile pour ça pour l'équipe de la
le président. Là, moi, même balka président, vous voyez, je ne vais pas rentrer n'importe comment. C'est même nèg ça, vous dites, non, attends, vous m'avez le président pour me dire qu'il est là. Dans plusieurs postes, le président a été livré. Merci beaucoup.